moving on. Thank you.
Thank you.
Se devait de venir lui rendre un dernier hommage et saluer sa mémoire et soutenir sa famille. Je crois que notre pays lui doit bien ça. Et c'est notre prix va rester vivant. Et ses interventions qui ont toujours été impartiales au sein de l'Assemblée, au point qu'on ne savait même plus savoir s'il était de la majorité ou de l'opposition, tellement il était objectif dans ce qu'il disait. Et je crois que cette objectivité ne disparaîtra pas. Merci beaucoup. Le Côte honorable, c'était une grande personnalité. C'est quelqu'un qui nous a fait rêver tant que vous allez guider banner politique. Vous avez un apposa, il y a vos alocolaïers. Moi, dans le cadre de football, il y a Messi, il y a Ronaldo. Je pense qu'à un niveau à Parlement, comme on l'est, Messi, il y a Messi, il y a Henri Thomas Le Côte d'Or. Il y a capable de relever oui, tant que famille politique n'a pas le non. Ah, ça va pas avoir le non, tant que famille politique n'a pas le oui. Il n'était pas passé à être corrompu. Hein? Non, mais tout à fait, c'était quelqu'un qui avait une liberté d'esprit énorme. En tout cas, Bissot Bato, nos Tigali, ma parlementaire, ma députée nationale, Dorosala est fort, Dozala, le Kolaye. En tout cas, Henri Thomas Le Côte d'Or, c'était un modèle. C'est un modèle parlementaire. Non, c'est un modèle parlementaire. C'est pour bon, c'est bon. Mais il faut que ça, vous soyez le Kolaye modèle. C'était un modèle, cher ami. Imaginez les lois que PPRD a ABC, à l'OBI oui, il y a l'OBI non. Et puis à l'équilibre et à l'Assemblée nationale, le bien-mort. Qui peut le faire? Même Nabisson a côté opposition. Est-ce que les gens sont capables d'y avoir le non. Dans mon famille politique, dans le lobby, oui. Non, c'était un modèle. C'était un vrai modèle. En 2018, avant, en 2017, avant la Côte Parlement, Bissot, Bakanga Bissot, pour la Bakanga Passeport, tu dis, mais là, ma passeport. Bakanga Bissot, n'a pas dit, il y a un mouvement citoyen. Tu es qui au monde, tu n'as pas de Parlement. Tu sais que non. Passeport, comme on l'est, il faut être valable, tu n'as pas. Azala qui parmi les députés nationaux, n'a pas connu les villes qui comptent d'appeler à son âme, Oyo, l'imam qui va défendre bien sûr Makamou et un passeport congolais. Donc, c'est un grand homme que la RDC vient de perdre aujourd'hui.
Malo Kondo, c'est l'un des meilleurs députés, au vrai sens du terme. Quand vous êtes élu député national, vous devez porter la qualité qu'on appelle honorable. Mais cette qualité portée doit se faire vivre en la personne. Honorable Lokondo était la personne qui incarnait le mot honorable député. Il est le meilleur député que je viens de rencontrer dans cet hémicycle. Il est le meilleur indépendant d'esprit, libre de parole, disponible, régulier aux séances plénières. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est lui qui a commencé à m'appeler leader, député exceptionnel. Des fois, il parlait député trigonométrique parce qu'il avait dit, il se posait des questions si je faisais... D'abord, un jour, il prenait parole. On a dit qu'il était un peu trop exigeant. Il dit, mais entre moi et l'honorable ingénieur, qui est plus exigeant? Ça, je garde encore. Un jour, il est venu m'embrasser, il dit non. J'ai suscité un débat exceptionnel, c'était sur la tension salariale. Il a dit que c'était une leçon pour lui, un nouveau député, et qui pouvait susciter un débat à la hauteur des anciens. C'était exceptionnel. Bon, c'était un vieux qui... Il était un peu humoriste, il approchait des gens, il approchait surtout des jeunes. Non, mais c'était un député, hein. C'était un député. Mais bon, de la même manière que je suis resté le meilleur tshisekédiste, c'est de la même manière que le Kondo voulait vivre en moi. Il était court comme moi, donc il n'y en a pas deux. L'autre, c'est Mbosso qui est déjà vieux, il est partant. Donc je suis resté seul. C'est moi qui...